tour. C'était une foutue idée. L'objectif était de briser la rébellion. Une bande de lords et de petits seigneurs a débarqué en grande pompe pour défiler sur les murs. Pendant ce temps, la véritable armée crevait dans la boue et le purin des rues en contrebas. Les années de service m'ont enseigné une chose. Peu importe qu'on soit en guerre ou à un bal, les gens de bonne naissance ont toujours les meilleures places et les plus belles chemises. Arrêtons de tourner autour du pot, sorceleur. La suite parle. Allez, c'est parti. Au début, tout allait bien, jusqu'à ce qu'on tombe sur Ariane de la Valette. Carnage ! Alors, si je me rappelle bien... Alors, déjà, ça, c'est de la merde. Ok. Alors, ça, c'est pour l'été, ça, c'est pour l'été. Ok. Bitch, please. Allez, c'est bon, on a pris l'entrée. Lord Sexen, vous allez forcer la porte pour accéder à l'île centrale. C'est une bonne journée pour un massacre, votre majesté. Messieurs, suivez-moi. Pour Temeria. Lord Swan, vos hommes resteront avec moi. Nous devons attraper Ariane de la Valette et briser le moral des défenseurs. À vos ordres. Geralt, messieurs, suivez-moi. Pour la gloire. Reculez, bordel de merde! Je vous interdis de crever comme des corneaux, vous m'entendez? Ils sont en bonne position, les salopards! Si ça continue ainsi, ils vont nous tirer comme des pigeons. Vous avez une idée? La baliste devrait régler le problème. Ok. Allez, c'est bien, je vais pouvoir me battre tout seul. Alors, un pour l'épée en argent, un pour l'épée normale, deux pour l'épée en argent qui est anti-monstre. Et c'est parti. Je suis censé faire quoi, là ? Sauter. Ouais, c'est plutôt pragmatique comme saut, j'ai envie de dire. Allez ! Alors, où elle est, cette baliste ? Ah putain. Ok, ça c'est fait. Alors, c'est bon, il n'y a plus personne. Allez, go. Oh putain. Je suis le sorceleur. Tu es le sorceleur. Bitch. Tu te crois où, mec? Bon, allez, où cette baliste? Ça y est, je l'ai. Alors, on va viser la tour. Ok, il faut cliquer comme un crétin, exactement le genre de truc que je déteste. Ok. Là, il va y avoir de la nuisance à tous les coups. Il m'a pas vu. Tu es le sorceleur. Ah putain.
enfoiré. Putain, Quoi, il en reste encore un ou quoi? Ah non, c'est bon. Allez, c'est bon. Putain, mais il y en a un paquet là. Et voilà. Alors, ça y est. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Il faudrait que je puisse tirer quand même, ce serait pas mal. Attention. In your face, motherfucker! Allez, c'est bon. À la tour, soldat! On se tire de là. Les dieux sont avec nous! Attends, mais il y a de la thune là. Ok, il y a de la thune, il y a masse de thune en fait. Ok, on prend tout. De toute façon, le roi, il va pas me payer. Je connais bien comment ça se passe. Là, tout va bien au début, ça pue la merde, donc on va tout récupérer. Putain, lui, c'est un pauvre, il lâche rien, là. On va même utiliser le W. Ah! Cercle de pouvoir, ok, c'est cool. Là, y a rien. On va se casser par là. Allez, go. I'm so fast for you. Blasphème, lol. Tiens, y'a un arbalétrier. Ah, putain, je l'ai pas vu. Sur les fleurs de lys. Pourquoi j'arrive pas à le toucher? On pisse sur les fleurs de lys. Sur les fleurs de lys. D'accord, ils m'ont pissé sur mon... Alors, on se cale là. C'est ça. Non, ça marche pas. Ok, on récupère les thunes dans tous les cas. Et on se casse par là. Et là, il y a mon roi qui va être content de moi. Il va me faire ouh, bravo, bravo, beau tir de baliste, blablabla. Bla, bla. Et moi, je vais lui faire bonus, bonus. Hop là. Attends, il y a un truc. Putain, un masque de thune, quoi. Tout le temps. Je crois que c'est bon là. Ah non, il y a encore du monde là. Ouais, je pense que c'est bon. La porte! Enfoncez la porte! Je veux voir cette porte voler en éclats! Ils font quoi là? Oh les noobs! Je sais pas trop ce que ça fout là. Étrange! Faut que je te parle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Je pense qu'il y a eu un bug. Je pense.
Ah, ça y est. Pas très rapide, mais ils ont compris. Ok, ok, il y a du monde, il y a du monde. À moi, à moi. Ta gueule. Oh, I am so badass. Ok, quoi, ça là, j'ai compris. C'est méchant. Ok, je me tire de là. Tous nice de bas. Alors, toi, mon pote. D'accord, j'ai tiré sur un ami. Putain. Tiens, 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 tiens. Putain, y'a un truc à prendre. Nice. Bon, ils sont tous barrés. Et là, il y a quoi là? De l'or. Là. Un anneau. Ok, c'est bon, on se tire. Débile. Rendez-vous ou vous crèverez comme de sales chiens. Arienne de la Valette, il va nous donner du fil à retordre. Capitulez, Arienne, et on vous épargnera. Allez vous faire mettre, roi. Ouh. Lui, il tient pas à sa vie. Arrosez-les de flèches, du nerf, soldats, pour Téméria. Ils ont de bons boucliers. Vous avez une meilleure idée, peut-être? Je vais tenter de m'introduire là-bas. Ça devrait être simple si les archers me couvrent correctement. Lui, c'est le fils de Louisa et du vieux baron. Héritier de ses terres, il est impétueux mais manie bien l'épée. Faites attention. Je vais essayer de le raisonner. Allez. C'est parti. Allez, on se passe, on ne flanchez pas. Ok, c'est bon. Allez. Et voilà. Allez, on progresse. Charles, il y a une échelle là. Voilà. On va tout casser. Le grand Gérald de Rive. Vous êtes tombé bien bas, sorceleur. Le bruit court que vous êtes l'un des meilleurs épéistes du Nord. Voyons voir si la rumeur dit vrai. Allez, ferme ta gueule. Arrêtons le massacre. Si vous vous rendez, Voltest saura vous traiter avec dignité, vous et vos hommes. Et qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas tous nous abattre au dernier moment? Rien. Voltest a souillé ma mère. Et le voilà qui complote maintenant avec les Nilfgaardiens? Le roi est à la tête d'une armée. Vous, il ne vous reste qu'une poignée d'hommes et votre honneur. Dans un instant, vous n'aurez peut-être plus rien. À vous de choisir. Vous avez entendu ça? Le roi nous envoie un sorceleur pour que nous nous rendions, oubliant l'essence même de l'honneur et de la fierté. Nous devons choisir la honte ou l'épée d'un sorceleur. Est-ce ainsi que vous voulez vivre? Comptez-vous vous agenouiller devant Voltest? Ok, est un... Jamais! Le message est clair, sorceleur. Ne faites pas l'idiot. Ce n'est pas un jeu. Sacrifier vos hommes ne rime à rien. Capitulez, et le roi fera preuve de clémence. Allez, mais pose ton mère épée! Mère a vu la clémence du roi d'assez près, il me semble. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous embrocher sur mon épée? Vous enfuir? Il a fait de mère une catin, pour ensuite la renier devant tout le royaume. Ce n'est pas faux. Mais ni un massacre, ni un héroïsme mal avisé ne changeront cela. Lâchez vos armes.
S'il arrive quoi que ce soit à mer, je vous retrouverai et je vous tuerai. Yeah, badass, badass. Arienne de la Valette a capitulé. Eh bien. Tu lui as parlé ? Juste un instant. Après, ils l'ont emmené pour le mettre à la question. Les traîtres n'ont pas la vie facile. Raconte. Allez. Depuis le pont brisé, tu as toujours été près de moi. Presque. Réponds. Comment es-tu entré dans le temple ? Alors, comment j'ai fait ? Il disait qu'on atteindrait par les murs. Ah ! Une demi-journée et nous prenons la ville. Au rapport ! Les combats continuent de faire rage au château. Un groupe de rebelles s'est barricadé dans le temple. Qu'en est-il de mes enfants ? Ils sont sans doute à l'intérieur. Fenn a travaillé un des prêtres. Il a parlé de passage sous les murs. Le bélier ne passera pas. Enfin, peut-être dans une semaine. On essaye à coup de hache ? Ça va prendre du temps, mais que faire ? Ce prêtre, il est dans quel état ? Et de quel passage parle-t-il ? Il s'est évanoui avant que je ne m'échauffe. Il est sous surveillance. Ok, lui, c'est le bourreau. Au boulot, capitaine. À vos ordres. Silas, occupez-vous des portes. Fenn, on y va. Sorceleur ! Votre Majesté ? J'ai une mission spéciale à la hauteur de vos compétences. Vernon a le don d'être convaincant, mais il a tendance à s'emporter parfois. Essayez de trouver une autre entrée par vos propres moyens. Si vous réussissez, Vizima tout entière vous enviera. Les soldats de la Valette ne feront rien aux enfants de la Baronne. Je ne serai tranquille que lorsque je les verrai. Nous devons agir vite. Les rebelles sont pris en tenaille. Qu'ils ne leur viennent pas à l'idée de les prendre en otage. J'y vais. Je compte sur vous. Okay. Que font les haches ? Bougez vos culs ! Ok, on a un roi qui est plutôt excité. Alors maintenant, enfin une petite étape de liberté. Donc on va fumer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a à choper dans le coin ? Pas grand-chose. Que dalle pour ainsi dire. Que dalle. Ok, vraiment, que dalle. Alors ici, là. Oh, de la thune. Pillage. Il y a un autre. Ok, il y a un autre. Ok, je peux pas. Ok, je me casse. Alors, on va faire ça avec... Donc on va commencer par là. Vous ne laisseriez sortir, gros maître. Le ferme. Nous sommes innocents. Le roi décidera de votre sort. Ok, il y a des soldats qui se la pètent de... Oh, j'ai trouvé des trucs sympas. Allez, pousse-toi. Là, il n'y a rien. Ok. Là non plus. On peut se tirer. Bon, c'est quoi le problème là-bas ? Alors, quel est le problème ? Enfant de Qatar, vous allez payer ils votre trahison. Ils sont à notre merci. Comment ça, Seigneur ? Nous le... Tant de morts pour une seule femme. Missionnaire, mon cul. Bourreau témérien, oui. Ok, donc, de ce côté... Ok, il y a un autre ici.
observer sortir, beau maître. La ferme. Nous sommes innocents. Le roi décidera de votre sort. J'implore les dieux. Oh le bâtard. La ferme. Vous allez tous payer la taxe de guerre. Or et argent. Ok, la taxe de guerre. Il va falloir expliquer à ce soldat qu'il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de piller ici, c'est moi. Alors, ça c'est bon.